Et oui, oui, présent au Limousin, trois semaines après le Charbot. Donc ça fait depuis 2007 qu'on n'est pas venu ici, que ce soit David ou moi. Donc présent sur cette édition du Limousin et hâte d'y être. Après au Charbonnières, on a eu la chance et puis on a saisi l'opportunité de gagner. Mais là, voilà, on va rester très sage. On revient au Limousin après des années d'absence, comme je l'ai dit précédemment. Donc redécouvrir le terrain et puis continuer de progresser avec la voiture et vraiment travailler pour l'année prochaine. Voilà. Devant, ça roule très vite. Hein. Julien et Jean-Marie sont partis très vite. Julien a fait une très bonne deuxième boucle. Donc là, on a un petit peu d'avance. Donc c'est assez confortable pour nous maintenant cette troisième place. Et puis devant, bon, ben, on peut pas pour le moment aller les chercher. Donc voilà, il faut continuer sur ce rythme-là, continuer à progresser. Si demain ça sèche, ben, on essaiera d'un petit peu monter le rythme pour continuer de rouler à l'image de ce qu'on a pu faire à Lyon. Et puis on tirera les enseignements demain soir. Ils sont dans des conditions comme on a eu aujourd'hui. Voilà, sur le mouillé, donc c'était pas évident, mais justement, c'est l'expérience qui fait que voilà, au fil des kilomètres et au fil de terrain comme ça, on progressera. On est dans l'objectif qu'on s'était mis du départ. Hein, on est bien calé, on roule bien, on a fait 80 km de chrono. Objectif pour demain, garder le podium? Oui, enfin. Après, comme je dis, cette année, il ne faut pas se tromper d'objectif, c'est surtout d'apprendre les épreuves. Après, on est troisième, on a gagné à Lyon. Si on peut rester troisième, c'est très bien. Le résultat compte toujours quand on fait de la course automobile, mais je pense qu'il ne faut pas griller les étapes. Il faut peut-être se dire oui, on a progressé au fil des épreuves et puis le résultat vient comme ça. Hein. Donc ce qu'on va faire, demain, si on peut rentrer troisième, on rentre troisième et puis toujours rouler sur une bonne cadence et puis d'avoir le sentiment de progresser. No.
satisfait de ton rallye? Bah, écoute, le bilan très positif. On avait annoncé du début que de toute façon on était là pour apprendre. À Lyon ça s'est très bien passé. Bon, on a bénéficié de ce problème de Jean-Marie. Là au Limousin, on savait d'entrée du début que à la régulière, s'ils roulaient sur leur niveau, ils étaient devant nous. Mais on a énormément progressé. Là, sans prendre de risques, on améliore de deux par rapport à tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on se fait familiariser avec les routes et c'est de bon augure pour la suite. Après, savoir s'il y aura une suite rapide, ça sera pas évident. Mais quel beau rallye ce Limousin. Bien passé cette deuxième journée? Bah oui, on a continué de travailler, des routes un petit peu plus clémentes, une météo meilleure. Donc c'est de bon augure pour la suite, on a bien bossé et voilà, donc on sait sur quoi il faut travailler et il faut vraiment continuer, on s'aperçoit que le travail ben, c'est la base de tout et il faut progresser, mais on est déjà dans le vrai, donc c'est une bonne chose.